Salut à tous, c'est Daika, j'espère que vous allez bien. Je suis très ravi de vous retrouver aujourd'hui vu qu'on va jouer à un nouveau jeu avec vous sur la chaîne. Il s'agit de Blockade 3D, donc un jeu complètement gratuit sur Steam. Donc voilà, vous pouvez le télécharger comme vous voulez, il ne prend aucune ressource sur le PC quasiment. Une centaine de mégaoctets à télécharger, donc voilà, c'est que dalle. Même pour les petites co, pour une fois, c'est pas un jeu de fou. Et c'est un jeu très minimaliste, mais qui est vraiment d'enfer. Alors, par contre, pour ce jeu, il faut que votre clavier soit en QWERTY. Vu que c'est un jeu édité donc en Russie, donc qui est full anglais. Donc, il faut que votre clavier soit en QWERTY. Donc, il faut aller dans les options du menu, là, enfin, sous Windows... aller dans les options et comme ça vous pouvez choisir le clavier anglais. Voilà, et donc une fois qu'on est là, donc on lance le jeu sur Steam, hein, une fois qu'il est téléchargé. Et là donc on se retrouve sur le menu de Blockade 3D. Donc c'est un jeu de tir, hein, à la première personne, on incarne un bonhomme quoi tout simplement. Et il faut tuer des ennemis quoi, hein, voilà. Pardon, et ça dans l'univers de Minecraft. Donc ça peut paraître un petit peu... ben, c'est un jeu loufoque, hein, c'est loufoque, mais c'est vraiment très très drôle. Moi j'adore ce jeu. Il est sorti il y a un peu moins d'un an à peu près. Mais bon, moi je l'ai découvert il y a quelques mois et je me suis dit tiens, ça va vraiment être sympa de faire une vidéo là-dessus. Donc alors là il y a différents modes de jeu. Donc il y a Battle, donc ça c'est des batailles, donc c'est des teams qui s'affrontent. Donc c'est 4 teams qui s'affrontent sur une map. Build, ah bah il n'y en a pas. Zombie, c'est là en fait où il y a une apocalypse zombie en fait, ça simule. C'est-à-dire que t'as l'armée des humains et l'armée de zombies quoi. Voilà. Capture, c'est des captures de points, hein, un peu grosso modo à la Call of Duty, etc. Versus, là par contre c'est 2 teams qui s'affrontent et pas 4. Carnage, je sais plus trop ce que c'est, il y a beaucoup de monde qui a l'air de jouer en tout cas ce truc là. Survival, c'est je sais pas non plus, je pense qu'il y a des points à sauvegarder. Et après il y a donc des parties avec des tanks, ça c'est un peu loufoque aussi. Mais nous on va faire des battles, donc des teams de 4 qui s'affrontent, enfin 4 teams qui s'affrontent sur une carte. Donc ici on choisit le serveur, donc on met pas tous les serveurs parce que la plupart sont russes. Nous on va Europe. Sinon en fait si vous sélectionnez les serveurs russes c'est que vous aurez beaucoup plus de latence. Parce que bah, du coup vu que c'est plus loin, vous aurez plus de latence au niveau du jeu, donc c'est pas top. Donc mettez Europe ici, c'est cool. Et après, bah, on prend là où il y a du monde. Hein. Vous voyez que là, il y a 28 personnes qui jouent sur 32. 32, c'est le maximum de place sur le serveur. Après, il y a plein de serveurs qui sont à 0. Bon. Voilà, donc nous, on va prendre ça. Donc, c'est évidemment beaucoup plus loufoque. Plus il y a de gens sur la carte, hein, on sait beaucoup moins chier. Donc là, un peu les contrôles, c'est du ZQSD. Viser avec le bouton droit de la souris. Tirer avec le bouton gauche. Les grenades. Le space pour sauter, etc. Donc là voilà, on est là, donc là on joue pas encore. On va sélectionner une team. Donc là il reste de la place, donc il reste de la place dans la verte et la jaune. Bon, je vais prendre la jaune. Donc là on a nos armes. Donc on peut avoir une pelle ou une hache. En arme on peut avoir donc des fusils sniper ou des trucs comme ça. Bon, moi je prends le Hoga, il est vraiment très sympa. Secondary Army, donc un pistolet silencieux ou un truc, bon ça c'est pas grave. Et après donc on peut avoir le lance-roquette ou la grenade ou le truc. Donc on sélectionne les trois et on fait fight ici en haut. Et là on incarne notre petit bonhomme jaune, voilà, dans un univers Minecraft. Donc là on peut sélectionner, donc là on peut ajouter des blocs, hein, comme dans Minecraft. Je pense que c'est à peu près le même principe dans Minecraft. Donc il suffit de viser la case, hop, vous mettez votre bloc comme ça. Vous n'avez pas des blocs infinis, voilà, il vous en reste 41, c'est marqué en bas à droite. Après ici on peut les dégommer avec la hache, voilà, toujours en visant et cliquant sur le bouton gauche. Donc après il faut s'avancer un peu comme ça, voilà. Donc vous pouvez personnaliser à fond la map, hein, voilà, comme ça, de cette façon là. Après avec le 3 vous avez votre arme principale, voilà, viser et tirer. Après vous avez votre arme, donc pistolet silencieux avec le super écran de visée incroyable. Après c'est quoi, 5 c'est rien. Et après je sais plus dans trop les autres armes comment vous pouvez les avoir, mais bon c'est pas grave. Ah oui, ici là voilà, il faut appuyer sur quoi, sur Q. Ah mais Q du coup moi c'est ça, c'est A. Voilà, sur A vous appuyez sur A et vous avez votre lance-roquette. Donc là c'est pas mal, hein, ça permet de faire pas mal de dégâts. Bref, on va commencer, c'est parti. Donc la partie, l'objectif, parce qu'il y a quand même un objectif sur ce jeu à part de tuer des gens, c'est de prendre un point, hein, qui est situé au milieu de la carte. Là vous avez la minimap en haut à gauche et vous avez un rond bleu au milieu, donc il faut aller là. Et la première équipe, donc quand vous êtes dans ce rond là, vous marquez des points. Et c'est le premier à 500, vous voyez là, oh là il y a un mec là-haut. Hein, j'ai tué.
Et quand vous êtes à 500, là vous voyez les scores en haut à droite, le premier à 500 en fait ça, gagne et ça lance la map suivante. Après vous ne gagnez rien, pas plus que l'équipe qui perd ou qui gagne, donc c'est pour ça que c'est loufoque ce jeu. Ouh, je me suis fait tuer par un sniper, magnifique. Donc voilà, petite animation sympa quand on meurt et puis on recommence. Donc au point de départ dans notre base, donc on a 4 bases sur la map, donc je crois qu'il était par là. Le mec qui nous a tués, ça c'est un allié. Et après bah c'est libre de faire ce qu'on veut sur la carte, clairement. Voilà. Donc moi je pose pas beaucoup trop de murs, hein. Moi j'essaye de faire des petits trucs sympas, de tuer des gens. Et aussi de prendre les points pour partir à la map suivante quand la map me gonfle. Ouais, je l'ai eu hier. Le petit vert là. Il croyait comme ça partir. Il y a un petit bleu là-bas. Yes, je l'ai eu. Donc après c'est assez chaud hein, à manier des fois. Au début c'est chaud. Donc ZQSD pour se déplacer. Ouais, je l'ai eu lui. J'ai failli esquiver le lance-roquette là parce que j'ai vu le mec avec un lance-roquette là-haut. On va essayer de se rapprocher de là-haut sans avoir une. Voilà, lui je l'ai eu aussi. Là il y a un autre con là-bas. Ah oh, il m'a tué avant. Enfin c'est pas lui qui m'a tué mais. Et quand vous appuyez sur tab, vous avez les scores. Donc vous avez les scores de toute l'équipe. Donc moi je suis ici, Daika, donc dans la team jaune. Donc je suis à 5. J'ai tué 5 mecs, je suis mort 2 fois. Bon, bien après, le truc c'est de garder un ratio positif évidemment. Donc, après, si vous voulez jouer à ce jeu-là avec moi, bah, vous dites-le moi dans les commentaires. Et comme ça, on se fera des parties, on se mettra dans la même team et puis on dégommera les autres. Ou alors, on fera du fight interposé. Enfin voilà, bref, on s'éclatera quoi. Hein, donc, n'hésitez pas à me le dire. Il n'y a pas des mecs là-haut? Non, il n'y a pas de mecs là-haut. Donc, après, tous les coups de pute sont permis hein, sur ce jeu évidemment. Donc, ça peut arriver de n'importe où. Ah, je l'ai pas tué. Pas grave, je l'affaiblis. On va le contourner. Donc vous voyez le carré ici, il faut être le carré là. Ah, il y avait un mec. Et là j'ai pas marqué de points parce qu'il y avait déjà une autre team dans le carré. Donc c'est la première team qui est dans le carré qui marque des points. Les autres après il faut déloger l'autre team pour après marquer les points. Enfin, je sais pas si c'est vraiment très clair mais c'est l'idée. De toute façon après si vous pratiquez, après vous le savez par cœur. Hein, évidemment. Mais voilà, donc une petite vidéo de présentation. Donc là je pense pas qu'on va arriver. Oh les gars, je l'ai eu. À la fin de cette carte. Parce que bah, c'est assez long hein, d'aller à 500, donc vous voyez que ça monte pas très vite. Là c'est les verts qui contrôlent pour l'instant, mais bon, faut essayer de les déloger. C'est ce qu'on va essayer de faire, hein. On va essayer de déloger ces verts, il y en a un là. Hein. Voilà. Il y en a un autre qui arrive là-bas. Oh putain, il m'a tué. La précision sur ce jeu aussi, c'est assez chaud. On peut régler dans les options. On peut régler dans les options la sensibilité. Mais j'ai l'impression que dès qu'on met pas trop de sensibilité, il faut vraiment donner des grands coups de souris pour naviguer, donc c'est un petit peu relou. Après c'est une question d'habitude, hein. C'est une question d'habitude comme surtout comme tous les jeux d'ailleurs, voilà. Mais c'est vraiment sympa ce jeu, moi j'adore. C'est plus fait à plusieurs, hein. De toute façon, à plusieurs qu'on connaît de toute façon. Voilà, lui il est mort. C'était un vert en plus, donc c'est cool, faut déloger les verts. Est-ce que là si je vais dans le carré... Non. Donc on va lancer un... Et là qu'est-ce qu'on fait? Donc quand on en a marre, on tire un coup de lance-roquette. Voilà, j'en ai tué un. Donc plus 2. Ça veut pas dire que j'en ai tué 2, ça veut dire que j'ai déjà fait 2 kills, voilà 3 kills depuis mon respawn en fait. En fait c'est l'enchaînement de kills, tout simplement, donc c'est assez stylé. Je vais essayer de dégommer les cubes là. Oh il est mort. Oh il est mort. Oh il est mort. Et là voilà j'ai le contrôle, vous voyez que là le score jaune avance. Voilà 25, 26, 27. Et il faut aller jusqu'à 500, donc c'est assez long hein, quand même comme partie, donc c'est pour ça que je vais peut-être pas montrer la partie en entier, parce que ça risque d'être un petit peu long. Mais ils étaient bien planqués les verts, hein, vous avez vu. Voilà, lui je l'ai tué aussi. Donc après il y en a qui ont des armures, parce qu'ils ont payé des trucs pour le jeu, sur le jeu, machin, etc. Mais on peut absolument le jouer en free, il n'y a aucun souci. Hein. Mais où se cache-t-il? Où se cache-t-il? Après c'est un peu le bordel. Voilà, j'espère que ça rendra bien sur la vidéo. On a une petite meurtrière, vous voyez qu'il y a un petit bleu là-bas qui se cache. Un petit... Ah j'ai plus de lance-roquette. Merde. Et je suis mort par derrière je pense. Par un vert. Donc les verts vont envie de reprendre le contrôle. On a marqué quand même 70 points, c'est cool. En un rush. Et après on a un chat en appuyant sur la barre entrée. On a un chat.
On peut pas mettre de... Mais en fait, c'est... Tu peux pas... Enfin, vous pouvez pas... Vous pouvez pas écrire qu'à votre team, en fait. C'est un chat général, donc c'est un petit peu chiant. Parce que bah, des fois, on a envie de par exemple, faire une strat avec notre team. Ah, lui, il est mort. Allez, avance, Jackie. Ah oui, mais on peut pas avancer par là. Parce que les blocs sont indestructibles. Donc, il y a certains blocs qui sont indestructibles. Oh, lui, il a mangé. Oh! Hein? Il y a un rouge là-bas. Oh, il a mangé! Là, je suis en combien? En 16-5. C'est pas mal. Lui, il a mangé aussi. Oh, lui aussi a mangé. Par contre, moi, j'ai mangé. J'ai plus que 21 PV. Donc, on a 100 PV, hein. Pour ceux qui l'ont pas vu en bas, là, avant. Donc, 21 PV, je suis un peu dans la merde. Donc, je suis un petit peu... je suis un peu mort, en fait. Allez, c'est bugué? Non. Après, ce jeu... Oh là là, lui, il a rien vu! Ah, par contre, lui, il a vu. Ah, oh, je me suis fait retourner. Bref, 19-6, je suis pas mal, là. Il y a un bleu, là. Yes. Après, il y a un vert, là-bas. Yes, le camp. Après, il faut bien recharger quand vous venez de tuer un mec, parce que vous avez que 30 balles. Oh, putain, là, je me suis fait niquer. Belmondo 343. Lui, il est chaud, lui. 56-18. Ah oui. Ah oui, lui est chaud, lui maîtrise. Il vient de se faire retourner. Il est là-bas, là. Donc après, le tir allié, on s'en fout. Moi, c'est pas Belmondo, là, que j'ai tué. Belmondo! À la recherche de Belmondo! Putain, that fuck. Alors, je vais faire environ une vidéo de 20 minutes. Là, on est à 11 minutes. C'est pas moi qui l'ai eu. Hein. Je vais me cacher derrière mon arbre. Il est où, cet enfoiré? Ok, on avance. Donc les maps sont assez grandes aussi, hein. Donc il va même pas mettre pas mal de faire de voyage. Putain, je les ai pas eu quoi. Please. Oh, purée. Ah non, mais j'ai même pas été tué par lui en fait, j'ai été tué par un ver. Donc on voit hein, en haut à gauche là celui qui nous a tué. Bon, ça va assez vite parce qu'il y a quand même pas mal de kills. Déjà lui il est mort par contre. J'ai même pas été tué par le bleu qui était devant moi quoi. Je suis dégoûté. Bon, bon, bon. Allez, donc là on est à combien? Les verts sont toujours en train de progresser. Donc on est à 107. Ah, il y avait un ver. Attends, je me suis fait dégommer. Il me reste 3 PV hein. Ah, lui il est mort. Voilà. Ah bah c'est lui Belmondo 343, d'accord. Ah, c'est un mec qui a une armure et tout ça parce le mec a cheaté, il a payé le jeu pour en fait c'est un jeu, c'est un free to play quoi, mais pour avoir les grosses armes, les trucs de porc, pour être un mec limite indestructible sur le jeu, faut payer hein, évidemment. Donc faut payer des packs d'armes, d'armure, machin. Ça sert à rien hein, c'est pas plus fun. Enfin si, pour le mec c'est fun parce que le mec se sent immortel, donc c'est fun. Voilà, il m'a retué encore. C'est bien hein. Mais, enfin, ça n'importe rien du point de vue, voilà, que si vous avez, enfin, voilà, on n'a pas de l'argent à foutre en l'air non plus. Enfin, après, je peux pour vous, mais moi non. Enfin, je pense que pour la plupart des gens, hein, voilà. Mais, il y en a, bon, ils résistent pas. Hein, faut qu'ils soient super puissants sur les jeux, évidemment. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Hein, c'est après, on n'y peut rien. Hein. Il y a un verre derrière. Oh, putain, lui m'a dégommé, quoi. Il m'a dégommé. Voilà. C'est tout. Bon, un peu moins bon là. Hein. Oh là là! Ouais, lui je l'ai eu. Yes. Bon, après, c'est pas comme League of Legends, t'as pas d'assist, etc. C'est soit tu kills, soit t'as rien. Oh, le lance-roquette! Oh, lui il est mort. Lui il est mort. Lui je l'ai pas tué, mais bon, mon pote l'a fait. Enfin, j'ai mon pote, mon allié plutôt. Quoi, je l'ai pas eu? Non, sans deck. Sans deck, je l'ai pas eu. My bad. Bon, les verts sont à 318, hein. Ils vont peut-être conclure là bientôt. Lui je l'ai eu. Ah, oh, je me suis fait tuer aussi.
J'étais la cible d'un autre. 28-13. Bon. Ah. Il y en a qui sont chauds, hein. 60-32. 73-22. Toi, t'es mort. Toi, t'as rien vu, toi. Quoi? Et Bender 1500, il est chaud aussi. Ah, en 19-18 pourtant, non, mais il n'y a pas de me tuer. C'est quoi ce mec? On va aller enquêter. Go! Où il est? Ah, il vient de se faire tuer. C'était lui encore? Ah non, celui c'était Yotin. Yotin! 46-26, le mec est chaud. On va arrêter de tatiller les bleus parce que là j'arrive pas. Ça m'énerve. On va aller reprendre la tour. Parce que là les verts sont en train de marquer des points. Ils sont à 343 déjà. Il va falloir faire quelque chose pour les en empêcher. Oh, y a un mec là-haut. Une armure et tout ça. Genre un mec qui a dépensé de la thune. On va essayer de le prendre par. Ah ouais, non. Pas du tout. Le mec défend en fait. Voilà, il fait que défendre. Ses petits potes qui sont à l'intérieur. Et je pense que moi je vais y aller au lance-roquette, hein, clairement. À un moment donné, voilà, faut se dire. Les gars, faut arrêter. Petit coup de lance-patate là-dessus. Terminé. Hein. Voilà, j'en ai tué un. J'ai tué Forest qui se cachait dans cette tour. Ah, les verts prennent plus de points. Magnifique. Lui, il est mort. Est-ce que là j'en prends? Oui, j'en prends. Donc les rouges avaient été dessus aussi, hein. Là on en prend. Je suis dans le carré. Oh, il y avait un bleu là. J'ai plus que 28 PV. Je peux pas me soigner parce que normalement on avait des trucs de soins. On va attendre là, faire un peu de points. Pourquoi ça me fait chier d'attendre en fait? Y a pas un mec qui peut aller là, un de mes alliés là? Parce que quel intérêt, à part gagner? Mais même si on gagne la game, on gagne pas plus de points d'expérience ni de trucs que nos alliés. Enfin, que nos ennemis plutôt. Donc ça sert à quoi de gagner? À rien en fait sur ce jeu, hein. Oui! Oh, je l'ai tué, Belmondo! Allez, tiens, avec ton armure là. Toi qui faisais le porc. Ah! 32-17. Ça va. Allez. Donc là, il y a qui contrôle? Il y a les verts encore, hein. J'ai vu une tête là-bas. Magnifique. C'est l'autre porc avec son armure, ça? Ah non, c'est pas le même. Ils sont deux chez les verts avec leur armure, là. Ah, il y avait un rouge, là, non? Magnifique. Et je me suis fait dégommer de derrière. C'est pas gentil, ça, le tir de derrière, les amis. Enfin. Go. 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Il y a un vert là-haut. Ah, je l'ai pas tué, je l'ai touché, je l'ai pas tué. Merde. Va falloir aller le... Parce que ça, c'est un campeur, ça, c'est le mec qui va toujours dedans. J'essaie d'aller trouver l'autre con là, à l'intérieur. Enfin, l'autre con. Ah, le gars. Oh! Oh là là! Magnifique! Oh non, je suis mort en sautant. Putain. Tué par My Little Noob. Enfin, faut quand même le faire. Le mec est en 24-37, enfin, please. Gros coup de chance, voilà. Pff. C'est évident. 427. Plus personne prend de points, donc le carré est libre. Go prendre des points. Oh là, il y a le mec là. Il y a un machin. Comment il s'appelle lui? Genre le mec m'a tué alors que je le voyais pas. Voilà. Les fakers du game, évidemment. Ils sont là, ils sont au rendez-vous. H24 les amis. Incroyable, incroyable, je vous le dis. Hein, hein. Dernier assaut, après je couperai la vidéo.
sert à rien de faire des parties trop longues non plus. Oh là 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 là. Oui. Oh non. Oh non. Non, je ne resterai pas là-dessus. Je veux une mort loyale. Non, j'ai plus de balles. Non. Oh non. Mais non, nul. Ah, oh, il est mort, merde, trop tard. Oh, je l'avais fini, quoi. Please. Hein. Wow. Oh. Ah, mais les mecs, ils me focus. Il y a les bleus, les verts, là. C'est quoi le bordel, là? Attendez. Non, mais je vais finir cette partie, en fait. Il reste 432. De toute façon, les verts sont indélogeables dans leur carré. Oh là là, magnifique. Où vais-je? Couvre-moi, toi. Oh, voilà. Il fallait un professionnel pour résoudre cette situation, bon sang. Go. Ah, oh, il va se faire niquer, lui. D'accord, il a eu le kill. D'accord. Bon, 450. Les verts, plus que 50 points pour gagner, donc ils vont le faire. Hein. Ah, il marque plus de points, là. C'est bizarre. Attends, j'avais dit. Hein. Oh non, quoi. C'est un campeur, lui, là. Le mec vient d'arriver dans la game, 6-2, voilà, bon, j'impose mes balls. Mais il veut pas les imposer longtemps, il est là-bas, regardez. Allez, 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 cours, voilà. Et rien ne sert de camper, il faut partir à point. Oh non, pas le doublé, dommage, j'ai divisé un peu trop. Et je suis mort par un vert, hein. Donc même pas par le bleu qui était là-bas, quoi. Les bleus sont mauvais, hein, c'est des bronzos de League of Legends qui sont ressortis le matin, là, pour... Par contre, lui, c'est pas un bronzo, c'est un bender, là. Lui, par contre, il gère. Hein. Ah, c'est pas moi qui l'ai tué, lui. On était deux dessus, tu sais. Allez. Personne qui prend des points, là. Attends, les verts sont bien là. Putain. Genre, je l'ai pas eu, quoi. Oh non, le lance-roquette. Oh, je l'ai vu arriver, mais please. Alors le mec, voilà. Comment gérer une situation? Bah attendez, j'envoie un lance-roquette, les gars, il va être mort. Bah oui, bah oui, bah oui, bah oui. Oh, lui, il est mort. Je sais pas ce qu'il foutait avec son bloc de TNT, là. Clairement. Je me disais, voilà, le mec, il veut faire un petit champ de TNT, là. Voilà, lui, il est mort aussi. Sans même me toucher. Courez! Oh, je l'ai eu! Oh, je l'ai eu! Il m'a eu, je l'ai eu, parfait. Un partout. Ah, un sniper. Lui, le mec est chaud, hein. Lui, il réfléchit pas. Tu le vois pas, hein. Tu le vois pas. Tiens, il est mort. C'était lui? Oui, c'était lui. Parfait. Ah. Lui il est mort, bon c'est pas moi qui l'ai eu mais c'est pas grave. Ah, lui il est eu par contre. Ah. Et les bleus sont omniprésents quoi, c'est un truc de fou. T'as lui il vient de se faire. Je l'ai touché là le mec là-bas, je crois que c'était toujours le mec de tout à l'heure là. Oh. Encore l'autre avec son lance-roquette, mais il est chaud lui. D'accord, on va répondre par le mal. On va répondre au mal par le mal hein, évidemment. Je vais également sortir mon lance-roquette, hein, voilà, parce que les gens ont décidé de faire comme ça, moi j'ai décidé comme ça aussi, voilà. Voilà, je l'ai eu, oh, Belmondo, allez, rideau, hein. Voilà. Je l'ai pas eu. Je suis mort par un bleu, hein, donc il y avait un bleu encore. Fuck Toys Lee Yellow. Le mec est en train de rager, là. Quoi? Par un bleu, d'accord. Voilà. Donc on est pris en sandwich. Attention, s'il y a les bleus sur l'autre côté. Là. Il est mort. You. Lui il rage. Lui c'est sûr il rage.
Ah, c'est terminé. Voilà, les verts ont 500. Voilà. Donc je sais même pas quel score j'ai fait pour finir. On le saura pas parce que de toute façon on n'a pas les scores après. Le jeu est bon. Le jeu n'est pas d'une grande qualité. On peut faire plein d'améliorations si on veut, mais bon. Ça reste en tout cas très très bien. Moi j'adore ce jeu. Clairement. Donc j'espère que vous avez regardé. J'espère que vous avez aimé cette vidéo, pardon. Et on se retrouve en tout cas très vite et très prochainement pour de nouvelles aventures. C'était Daika, je déconnecte. À plus.